Hey yo les délices, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo avant que je parte en vacances. C'est une vidéo d'ouverture, j'ai réussi à choper quelque chose d'assez sympa. C'est une display d'édition spéciale Savage Strike. Pourquoi je le dis en anglais? Tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, c'est une display en anglais. Je l'ai acheté sur Amazon et en fait elle était à 71,23€, quelque chose comme ça. C'était absolument pas indiqué que c'était en français, mais c'était pas indiqué que c'était en anglais non plus. C'était vendu et expédié par Amazon.fr. Du coup je me suis dit, ça peut le faire. Finalement non, mais bon voilà, les 10 éditions SP, la display en contient 10 à 70€, c'est quand même très intéressant. Donc on va quand même se l'ouvrir ensemble. Il y a plein de cartes très très cool à l'intérieur, je vous mets les petites cartes juste ici. On va voir le fantasmé qui est à 70€ en anglais, on va voir le pot qui doit être à 40 ou 50€, on va avoir le dragon qui est juste ici, hein, qui est quand même très très cool et qui doit être à 15-20€, quelque chose comme ça. Donc on a plein de cartes très intéressantes à l'intérieur. Vu que c'est des éditions SP, il y a les cartes promotionnelles, vous savez, les petits plastiques, les petites cartes dans les plastiques à l'intérieur. On en reparle à la fin de la vidéo et puis nous, sans plus attendre, on va passer sur la deuxième caméra. Je vais l'ouvrir en accéléré, je vais ouvrir toutes les boîtes, l'histoire d'avoir les 30 boosters et les éditions SP, et après on se retrouve d'ici quelques secondes pour l'ouverture. Allez, c'est parti. Ok, on a ouvert tous nos boosters, donc je vais essayer de les remettre dans l'ordre pour me faire une jolie pile. Bon, on en a bien une trentaine, enfin 30 tout exactement, puisqu'il y a 3 boosters par édition spéciale. Donc ça fait beaucoup de chance d'essayer d'aller choper une grosse carte. Franchement, très honnêtement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un paquet que j'ai payé, 71,23€, quelque chose comme ça. J'arrive pas à les faire tenir. Ce qui fait que si je chope juste, c'est une carte compliquée à choper, j'en suis conscient, mais si je fais tomber un fantasmé, la display ne m'aura rien coûté. Et si je fais tomber plus, eh bien, je serai bénéficiaire dans tous les cas, donc ça peut être très intéressant. 71€, ça fait vraiment pas très cher, franchement, pour un pack de 10 displays, donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a eu? J'ai pas regardé les cartes promo, donc on a eu ça. Hop, je sais pas si on les voit, on les voit pas. Là, je sais pas si on a eu autant de chaque. À chaque fois, je pense qu'il y en a un qu'on a eu plus que l'autre. Ok, donc ça on en a eu 4, moi je m'en garde 1. Oh, on a eu 5, ah on a eu moitié en fait. Là je m'en garde 1 et ça, on en reparle à la fin de la vidéo. Il y en a 4, j'ai 4 réseaux sociaux, on en reparlera de toute façon. Mais voilà, un petit peu le watch time, tout ça. Et puis nous, c'est parti, on va commencer cette ouverture. Franchement, je suis assez content. Déjà le booster, je suis pas sûr d'en avoir ouvert en vidéo, je suis sûr de vous en avoir offert puisque j'avais offert justement une petite édition comme ça à un abonné pour mes 1000 abonnés, je crois que c'était ça, pratiquement à 2000 aujourd'hui, et il avait eu justement le pot d'extravagance à l'intérieur, donc c'est très très cool, et puis bah, surtout moi je comprends en avoir ouvert sur la chaîne, donc voilà, je suis content. Tout le monde ouvre, tout le monde ouvre du BLHR, mais j'arrive pas à parler, c'est fou, tout le monde ouvre du BLHR, bien écoutez, moi j'ouvre du Savage Strike 6 mois ou 8 mois après son lancement. Ok. Et bah c'est plutôt cool. C'est un bon monstre. Donc je vais pas forcément lire les noms, tout simplement parce que déjà qu'en français j'ai du mal et vous me le dites souvent, alors imaginez si je dois le lire en anglais, ça va être insane. Il y a quand même quelques-uns que je connais. Tranquille, clairement on connaît. Ok. Bon, pour l'instant rien d'exceptionnel, mais bon c'est toujours très très cool. Après en soi, que ce soit en anglais, c'est pas très grave puisque bah, l'anglais se lit quand même facilement, le ruling, et puis bah, les cartes sont connues. D'autres langues, ça m'aurait vraiment ennuyé. Pas mal de salamandres grecques, mine de rien.
Update Jammer, trop fort cette carte. Franchement, très forte. Elle retourne vraiment des games. C'est vraiment très intéressant. Dans un deck Cyber, c'est très fort. Et même dans d'autres decks, c'est très intéressant à jouer. J'avais déjà ouvert une display Horizon Cybernétique, je vous le mets juste ici, en anglais, pour mon anniversaire, et c'était sur Amazon également. Donc je vais faire très attention, je prends très rarement chez eux. Là, en fait, c'est la dernière vidéo avant que je parte en vacances pendant 2 semaines, et du coup, je m'étais dit, je vais faire une ouverture, ça peut être très cool. Et je suis passé par Amazon pour l'avoir rapidement, je regarde un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Le Wicked, très fort aussi, parce que lui, il est pas destructible ni au combat, ni par un effet de carte, et tous les monstres pointés ne sont pas destructibles par des effets de carte, donc... beaucoup trop fort. Ok, première secret rare au bout de 4 boosters, donc c'est pas c'est pas très mal, hein. Franchement c'est pas trop mal plutôt. Et l'intégrateur qui est très fort également dans un deck Cybers. Je pensais pas qu'intégrateur, peut-être que c'est une réédition alors, parce qu'il me semblait qu'il avait déjà été sorti avant. En tout cas c'est une carte qui est trop forte avec le cyber synchronique, ça fait un combo qui est vraiment très intéressant. Ok, ça c'est très sympa aussi. Franchement, j'y crois pas trop d'avoir des grosses cartes parce que généralement j'ai pas trop de chance dans les ouvertures. Là, clairement, la dernière sneak peek, j'ai rien eu d'exceptionnel. Mais pourquoi pas, ça peut être très sympa. Ok, bon, c'est pas la meilleure, mais c'est quand même plutôt cool. Prankid, ils sont pas restés longtemps en fait finalement dans la méta, ils étaient très forts et ils sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés. Ça c'est très fort, c'est une réédition d'ailleurs. Ok. Comme vous pouvez le voir juste en fond, j'ai récupéré le deuxième DL10 parce que l'autre il est... Non, on le voit pas d'ailleurs, ah si, il est là. Celui-là c'est celui qui va venir dans mon décor et l'autre, celui qui avait mis, c'est celui qui va partir en peinture et en travail en règle générale pour... Hop, s'il te plaît, macro, merci. Ok, c'est la deuxième fois qu'on l'a fait tomber du coup. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui lui arrive à mon macro? Voilà. Donc je l'ai récupéré il y a seulement quelques jours, donc je suis très content de pouvoir le mettre dans mon décor. Non, c'était brave, très cool, voilà, ça fait plaisir. Je sais pas combien on a ouvert de boosters, mais à mon avis, on a déjà ouvert 2-3 éditions spé. Hein. C'est pas compliqué de savoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a ouvert 3 éditions spé. Le Wicked. Gourou. Ok, le premier danger. C'est pas trop mal. C'est pas le meilleur des dangers, parce que son effet est pas ouf, mais c'est toujours, ça fait toujours plaisir de l'avoir. Et ça, on va pas dire que c'est un staple, mais ça se met dans pas mal de decks quand même. Ça remplace en fait les gros dangers, donc pourquoi pas. Alors, deux cartes très cool. Ça, parce que il y a encore quelques mois, c'était très demandé. Mais mon macro, c'est n'importe quoi. Et puis ça, parce que c'est toujours cool. C'est une super Far Star. Même si Far Star a pris un petit peu la banane, un petit peu beaucoup quand même. Eh bien c'est toujours demandé, hein, clairement. Ok, bah la deuxième qui fait plaisir. Franchement, c'est une petite suite de Far Star. Donc, je connais pas les valeurs, je ferai un récap à la fin de la vidéo. Je connais pas les valeurs en anglais en fait. Je sais que ça en français ça vaut 3-4 euros, peut-être un petit peu plus. Donc, en anglais, à mon avis, on doit être un petit peu moins. Je sais pas, ça dépend vraiment en fait de la demande de la carte. Et là, avec la banlist, à mon avis, elle est un petit peu moins demandée. Et ben, très bien. Voilà, ça fait très plaisir, franchement. Voilà, le petit monstre de la display. Voilà, c'est le premier qui tombe, c'est très cool. Alors, je l'ai en français dans mon deck Cybers, mais bon, voilà, c'est toujours un plus de l'avoir en anglais. Donc là, je sais pas exactement, mais on doit être à 15 euros. Grosso modo, avec les autres cartes qu'on a fait tomber, on en a déjà une petite valeur, c'est sympa. Et il nous reste pas mal de boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il nous reste 17 boosters. Et on a la première carte vraiment intéressante de l'extension, que l'on fait tomber, évidemment, hein, puisqu'il y en a d'autres qui sont bien plus intéressantes, mais c'est la première, donc c'est plutôt cool. Ok. Donc
Donc je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux, donc je vous le rabâche, hein, mais c'est la dernière vidéo avant que je parte en vacances. Je pense pas que je sortirai de vidéo pendant les vacances. Il y a pas mal de petites vidéos, ok c'est la troisième fois qu'on l'a fait tomber du coup, qui sont prévues, d'autres qui attendent des participations, des petites collaborations, etc. Donc il y a plein de vidéos cool qui devraient arriver à la rentrée, enfin du moins à la rentrée pour moi, donc ça sera... Ce sera vers fin août, hein, grosso modo. Mais voilà, faut pas désespérer. Il y a plein de vidéos cool qui sont prévues. Et peut-être que je vous en sortirai pendant les vacances. Je sais vraiment pas. Ça, c'est cool aussi. Et le Neos Fusion, qui est une carte forte, jouable. Et je me suis fait poutrer par un deck Neos il n'y a pas très longtemps avec mon deck Cyber. J'étais bien, j'avais un bon board et tout. Et le gars m'a sorti, je sais plus quel Neos, mais un Neos totalement fumé. Et il m'a clean mon board et j'étais vraiment pas bien. Ça, c'est, je vous en parle. La petite Valkyrie Secret, ça c'est très très cool. Et donc je vous en parlais tout à l'heure. Voilà, c'est le synchro qui va avec, avec ça, l'intégrateur justement, qui est très très fort parce qu'en fait, tu fais ton synchro, t'invoques ça, tu ramènes ça. Ok, donc mes deux téléphones se sont coupés. Enfin, l'un des deux s'est coupé. Et du coup, j'ai coupé l'autre pour refaire le record en entier, tout simplement parce que j'avais plus de place. Voilà, je suis totalement débile. J'ai pas fait gaffe juste avant de commencer à record, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc j'ai en train de vous expliquer. Tu invoques. Ça, en utilisant ça, tu le réinvoques, tu utilises son effet, il passe à 7 et tu sors un quantum par exemple. Et c'est très très fort, c'est très intéressant à jouer. Et donc par défaut, j'aime beaucoup le jouer. J'ai mélangé mes cartes du coup, sans faire exprès. Voilà. Ok. J'ai découvert grâce à French Pegasus, big up à toi, et puis après plus tard Joery et Playmaker, le deck Cybers que j'ai vraiment apprécié et du coup que je joue régulièrement et qui est un deck que j'aime beaucoup jouer. Ok. On s'approche de la fin et pour l'instant on n'est pas rentable, hein, clairement on n'est pas rentable, on n'est pas à zéro. Ça me fait vraiment chier que ça soit de l'anglais finalement, mais je pense pas, voilà, je pense pas, c'est quand même pas franchement un problème, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu pénible. C'est la deuxième fois qu'on l'a fait tomber du coup. Ok, on a pas mal de... il nous reste une dizaine de boosters. Trois, un, ok, le Cosmos Neos, qui n'en avait pas encore eu. Tac, il nous en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ben il nous en reste 10. 10 boosters. Donc ça fait, on a ouvert un peu l'équivalent d'un petit peu moins qu'une display. Mais bon voilà, on a ouvert quand même plein de petits trucs très très cool. Ok, derrière. Ok. Une ultra rare. Plein de cartes qu'on a eu en plusieurs exemplaires quand même. Notamment de l'extra deck, voilà, du Sky Tracker. On a eu en plusieurs exemplaires, du Dragard, on a eu en plusieurs exemplaires également. Alors, c'est vrai qu'il y avait des TG dans cette extension. Et derrière. Ok. Why not? Cette carte, elle est un peu fumée quand même, hein. 2100 de défense. Pour la sneak peek, ça devait être plutôt pas mal à mon avis. Hein. Mais après, la sortie de sneak peek, malheureusement. Typiquement, c'est des boosters qui sont très intéressants pour des des monstres, pardon. Rocket avec le deck qui arrive très très bientôt. Et derrière, on a... ok, une super. J'arrive vers la fin, donc je commence à stresser un petit peu. J'aimerais bien sortir une grosse carte quand même, ça me ferait très plaisir. Et là, pour l'instant, on n'a rien sorti d'extraordinaire. Donc, bon, on a sorti le Borel Savage, donc ça, c'est pas trop mal. Mais voilà, j'aimerais bien avoir un petit peu mieux quand même. Ok, LP, qu'on n'avait pas encore fait tomber. Et le petit Sunlight, qui est toujours très très intéressant. C'est galère, dis donc. Alors. Ok, très très bien. La Chimera est derrière. Ok, ça marche. La Chimera qui est toujours intéressante à jouer également. Alors, pas tous les decks ne la jouent, si j'ai bien compris. Je connais pas très très bien les decks Salangrey. Mais c'est toujours une carte... très intéressante. En plus, je trouve que l'artwork est vraiment joli. Alors, 1, 2, 3. Le Wicked. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière du coup? Next. Ok, d'accord. Pourquoi il y a 4? Bon, c'est pas grave. Tac. Et le next.
Et derrière, ah, c'est quoi ça? C'est du sésame? C'est du sésame. Bon, il nous reste 4 boosters du coup. Je crois qu'on va pas faire tomber des cartes très cool, mais c'est pas grave en même temps, c'est aussi le jeu, c'est aussi le plaisir d'ouvrir des cartes. De toute façon, j'ai jamais trop de chance sur les ouvertures, donc on va pas être... Mais là, par exemple, il n'y en a que 3 devant, c'est bizarre, hein. Allez, c'est les 3 derniers. Hop. On commence à avoir trop de communes, ça les fait tomber, quoi. Allez, est-ce que cette chance incroyable va-t-elle arriver? Et derrière, on a... Ok. Une super, une ultra, pardon. Oh, mais je galère à les ouvrir, ces boosters, c'est fou. Et derrière, on a une secrète, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. C'est la deuxième secrète de la display. On n'a pas eu beaucoup de... On a eu 2 secrètes, je crois, au final. Donc ça, c'est très très cool, et ça, ça c'est très très fort aussi. Ça, c'est très très fort, très très cool, et ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et c'est le dernier booster, le dernier booster. Donc je suppose que c'était la suite, donc si on vient d'avoir une secrète, on n'aura sûrement pas de secrète à l'intérieur de ça, et donc sûrement aucune carte qui ait une véritable valeur. Ok, c'est une fusion, on l'a vu, voilà, c'est un Neos le brave. Donc on n'a rien eu d'exceptionnel dans cette display, mais c'est pas grave, franchement, j'étais content d'ouvrir ça avec vous, ça me fait plaisir. On va faire un petit récap, donc on a quand même beaucoup de communes, comme à chaque fois qu'on ouvre des boosters. Tac, je galère à mettre à peu près présentable. On a un gros paquet de communes, naturellement. En rare, on a eu pas mal de cartes très très cool quand même. Avec des cartes qui vont se jouer assez facilement quand même. Ça c'est plutôt cool. Ça c'est pareil. Voilà, ça c'était quand même pas trop mal. Et du coup, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une secrète. Hop, ma croix. Merci. 2 secrètes. On a eu 3 secrètes du coup, je crois, au final. Enfin, 3 secrètes. Ok, donc on a eu 3 secrètes rares. Ce qui est pas trop mal. C'est pas un bon ratio non plus, mais c'est pas trop mal. Sur 30 boosters, ça fait une toutes les 10. Peut-être que c'est le ratio, je me rends vraiment pas compte. Mais pas mal de dragards. 10 héros élémentaires, ça c'est cool aussi. Du Sky Striker, c'est pas mal. Un petit peu de Neos, encore du dragard. Ça c'est vraiment cool. Franchement, ça c'est vraiment cool. Ça aussi c'est pas trop mal. Ça c'est appréciable. Encore du dragard, encore du SS. Voilà, on a eu quand même pas mal de petites cartes assez sympas. Voilà, je vous mettrai un petit récap ici des tarifs. Je suis en train de chercher, je sais pas ce que j'ai foutu des éditions spéciales, elles sont là. Ok, donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai 4 réseaux sociaux. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Et donc je vais vous faire gagner un set, donc des deux à chaque fois, sur chaque plateforme. Voilà, c'est... Ça va être très très simple, donc rien ne vous empêche de participer sur chaque plateforme. Mais pour YouTube, ben, ça va être like, commente, donc là vous pouvez participer d'ores et déjà dans la vidéo. Je sais que vous vous posiez la question, donc vous pouvez participer. Donc ça va être simplement, tu aimes la vidéo, tu laisses un commentaire et tu t'abonnes, et l'un parmi vous gagnera ça. Sur Twitter, ça sera RT, like, follow, et peut-être tag des potes, je sais pas, et il y en a un qui gagnera ça. Sur Facebook, ça sera la même chose. Et sur Instagram, ça sera la même chose. Voilà, donc je vous fais quand même pas mal de petits cadeaux avant ce départ en vacances. J'espère que, voilà, que vous participerez, que ça vous a plu. J'espère que cette vidéo aura été sympa quand même à regarder, même si on n'a rien loupé d'extraordinaire. On aurait tous voulu voir un beau fantasmé tomber, mais ce n'est pas le cas. C'est pas grave. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous les potes, faites de nombreux duels et collections de cartes. Et surtout, à bientôt. Allez, ciao !